Petite partie 3 qui démarre tout doucement. Alors là, je vois que vous êtes très surpris. La qualité sonore est là, et miracle, la qualité aussi de la caméra. J'ai enfin trouvé une solution. J'ai regardé quelques vidéos pour comprendre un peu ce foutu fond vert. Et après 40 vidéos à streamer, après 40 vidéos, après 40 VOD. Enfin, fond vert impeccable, quoi. Et là, regardez, là, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ça, là, qu'on voit là? C'est le pied un tout petit peu du micro. Je vais le reculer un tout petit peu. Putain, c'est parfait. Voilà, là, c'est parfait. Normalement, là, on est impeccable. Oui, j'ai trouvé deux, trois petites techniques. Je pense qu'elle, je peux la niquer comme ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Pourquoi c'est flou? Il y a une espèce de flou là comme ça qui se met. Parfois là quand je zoome. Bon voilà, on sait pourquoi. Là je me pose la question, on n'est pas sur The Last of Us Part 2. Donc en fait là j'étais en train de revenir sur mes pas, mais du coup j'avais... Non, je pense que je devais être full niveau caisse. Ok. Non, bah on va continuer, hein, notre petit périple. Faut savoir que là, on est... Bon, il y a la voix de l'enfant, mais il y a aussi cette cache qu'on peut voir ici. Voilà. Enfin, cette cache. C'est un signal rebelle. Et je crois que c'est ici que on va pouvoir avoir la pièce qui nous manque pour le sniper. Ouais, attendez. Hop, voilà, c'est bon. C'est la pièce qu'on va pouvoir avoir. Il y a une pièce qui manque pour le sniper. Et on va pouvoir se la faire. Enfin, la trouver ici. Est-ce que je fais le tour? Est-ce que quoi? De caisse? On va voir. Pour l'instant, j'arrête avec de. J'arrête ma torchlight. Enfin, ma lampe de poche. Puis on va y aller tout doucement comme ça. Oui, j'ai regardé des vidéos. C'était. Enfin, c'est pas que c'était pas très clair au niveau du fond vert. C'est que ça nécessite une installation. Et donc j'ai fait avec les moyens du bord. Je vous dirai pas tout de suite mon secret. Je vous laisse. Un magicien ne donne pas ses tours. Voilà. Pas évident. Bon, là, toi, je sais que tu vas te réveiller. Oh putain. Ça m'a surpris là. Va se réveiller. Va se réveiller. Sûr. Ça m'a coûté quand même 2 balles de pompe, hein. Deux balles de pompe. Alors attendez, je mets juste que mon portable. Parce que j'ai envie d'avoir le chat sur mon portable. J'ai pas envie de me faire chier avec le. Oh, excusez-moi, je suis un petit peu vulgaire là ce soir. Non, j'ai pas envie de me faire chier avec le. Avec l'ordinateur et je ne peux pas. Pour des raisons techniques. Oui, allez, ça y est, je vous donne mon secret au niveau du fond vert. J'ai ouvert le bloc-notes et ça me donne une lumière blanche en pleine gueule qui annihile le fond vert derrière. C'est une technique que j'ai trouvée sur YouTube, sur Tutube. C'est marrant, hein? Il y avait des tonnes de vidéos pour dire le fond vert, achetez une lampe, faites ça, faites ci, faites ça. Et en fait, comme d'habitude, les remèdes de grand-mère. Vous avez votre écran d'ordinateur, vous ouvrez le bloc-notes, une page vierge blanche, lumière blanche sur la tronche, ça fait le distinguo direct avec le fond vert. Allez hop. Alors, bonjour madame, au revoir madame. J'ai économisé 3000 balles. En lampe de mes couilles. Oui, ce soir ça va être un stream un peu vulgaire, il est tard, on a le droit, les enfants sont couchés normalement. S'ils sont pas couchés, allez les coucher et revenez vite. Et revenez vite me rejoindre sur le stream. Bon, je dis plein de conneries, du coup j'ai un petit peu zappé là ce que j'ai ramassé. Vraisemblablement, c'était des pièces détachées. Ils ont cru qu'ils allaient m'avoir, hein. Ils ont cru que j'étais né de la dernière pluie, hein. Avec la nana là qui était par terre, non mais. Bon, j'ai toujours une hache. Ah!
Qu'est pas ça? Cette voix est différente des autres. Ouais, bah oui. Bien vu. Il sait reconnaître des voix. C'est comme moi, l'autre jour, j'ai eu ma mère au téléphone. Et puis après, mon père m'a appelé. Et j'étais au téléphone, j'ai... Cette voix est différente des autres. Tiens, lui, tu crois qu'on l'a pas vu aussi? Il va venir nous emmerder dès qu'on va fighter la caisse. Jetez à l'œil, jetez à l'œil. Oh putain, ça va être chaud. Allez. On s'est pas trop mal démerdé, j'espère qu'il n'y en a pas un autre. Ça aurait pu être catastrophique là, ce qui vient de se passer. Ce qui m'étonne, c'est que lui, il a pas moufté. Ah voilà. Putain de ta mère. Merde. Allez! Ah bah putain! J'ai perdu toutes mes munitions sur ce groupe d'ennemis. Ça ne va pas du tout, ça. Bon, donc pour l'immersion, là, ça va être beaucoup mieux, hein, je pense. Pour tout le monde. Plus professionnel. Ah, c'est peut-être lui. Là, c'est quoi? C'est là, il y a la voix de la femme est là à 8 mètres, quoi. Bon, on va aller voir ça. Hein. Par contre, on n'a plus rien. J'espère qu'il y a un petit truc dans la poubelle. J'entends un bruit là sur la gauche. On va le tuer par derrière. Ah non, 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 c'est une sale. C'est une coquine qui est, dure à qui est difficilement tuable. On arrive. On arrive, coquine. On n'a rien. J'espère qu'ils vont nous filer des armes là. Sinon, on va mourir comme un vilain. Faut qu'on upgrade le couteau. Pour pouvoir les tuer d'un coup. Bon là on met pas un coup de pied dans la porte. Hein. On va être beaucoup plus subtil. Ok. Je regarde bien parce que quand j'ai regardé un coup d'œil ma vidéo, parce que j'adore me regarder, je suis très mégalo. Et que pendant que je me délectais de ma propre voix, j'ai remarqué que j'oubliais pas mal de choses dans les coins, comme la télé, je vous ai dit la diagonale est assez grande, je voyais que je loupais des objets, j'avais un peu honte. Bon, la honte m'est vite passée quand j'ai vu que j'avais quand même toujours ce sublime timbre de voix. Ah ça je veux bien. Ça, je veux bien parce que je veux bien. La vie, elle est en haut. Hein. Ok. Le pompe, j'ai pu. J'ai pu, donc je peux mettre autre chose. Hein. Je vais mettre. Voilà, je vais mettre les petites bouteilles. Il n'y a plus de pompe. C'est fini. Fini cette histoire. Oui.
Encore une résonance inconnue. Bah c'est quoi ça? C'est un repère de... Ok. Bah oui, vous pouvez pas le choper tout à l'heure. Bon, loli. Quoi qu'est-ce. J'ai plus... Ah, il me reste quand même une... J'ai quelque chose là. Attends, attends. Je change d'arme, parce que sinon ça allait la tirer dans le vide. Ok. Je me suis mis le casque un peu fort là, je suis vraiment... Je suis content pour la webcam, hein. On a enfin un fond vert uniforme. On va en apprendre un peu plus sur le lore. Que se passe-t-il? Journal de la femme. La dernière entrée du journal écrit d'une main tremblante. Il y a quelque chose dans cette maison avec moi. Je ne la vois pas, mais je sens sa présence. Je ne crois pas vouloir la voir. J'entends ces horribles choses dehors. Elles sont partout. J'ai peur de sortir, mais j'ai peur de rester ici aussi. Je tremble, mais ce n'est pas de peur. Pourquoi fait-il si froid tout d'un coup? Il fait froid. Ok. On va garder ça, hein. Parce qu'il y a une technique qu'on a bien compris là, c'est qu'on peut faire du piétinement. Et le piétinement, je sens que ça va être l'avenir de la run. Ok, on a 155, hein. On va pouvoir upgrader, hein. On va filer faire ça après, hein. Il fait froid, il fait froid. Attends, je regarde la carte vite fait. On peut zoomer? Oui. C'est bon, on a trouvé le... Bon. Je le sens pas là. Qu'est-ce que quoi, oui. Oula, tout doux. Tout doux, ma grande. Sauvegarde. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Oula. Oula, oula, oula. Ah, c'est la séquence où on doit se cacher. Il faut que je sorte d'ici. Bon, c'est le début du jeu, je pense qu'ils doivent pas être trop salauds. Ah putain, on peut pas. Elle est où? Elle est où la coquine? Ah merde! Elle est là. On se casse par là. Putain, il faut le passe. Elle va revenir? Ah, mettez-moi au parfum, hein. Tu reviens pas, faut. Il doit bien y avoir un moyen de sortir d'ici. Ouais, ok, c'est scripté à mort. C'est une séquence évasion. Qu'on retrouve le... Allez où, allez où, allez où. Je vous avoue qu'au casque là, l'ambiance est là, hein. C'est typiquement le type de monstre que j'aime pas trop. Enfin que j'adore en fait, mais qui me fout les jetons. Je vous ai dit, hein, ces espèces de fantômes là, Johan, Ghost, à la ring.
Puis bon, oh putain, oh putain. Elle est où cette pute de carte? Pardon. Ah là, il y a la photo de qui? Mais c'est nous avec notre. Elle a la carte. Je pourrais m'aider à sortir d'ici. Carte de la porte scellée de l'hôpital. Cette carte de sécurité déverrouille la porte scellée de l'hôpital. Elle semble familière. Pas me faire baiser. Hein. Casse d'ici. Alors, je sais pas si c'est le fait de jouer au casque et que maintenant j'ai un putain d'écran alors qu'à l'époque. Ok. Ça l'a effectué. Est-ce que je viens d'imaginer tout ça? Non. Non. C'était. Et cette chose, c'était la réalité ou mon imagination? Allez hop, une nouvelle diapo. Diapositive. Relique d'une époque où l'on prenait des photos. Bon, c'est une diapo. Ah, je ne vais pas vous faire l'affront de vous lire la description d'une diapositive. On a déjà regardé ça. Bon, je serais bien tenté de me refaire des balles de pompe, mais je pense qu'on va pouvoir se barrer sans. Au pire, il y a une save, hein, je pense. Ok, donc l'idée, c'est de retourner... Oh, putain, il y a quand même un truc là. Enfin, tout le jeu est fait pour pas que tu aies envie de rentrer chez toi. J'ai bien envie de retourner à la planque. Hein, pour m'upgrader. Ouais. Déjà, ça coûte moins cher. J'entends bien, hein, les bruits là dehors. Hein. Il y a une fenêtre, on peut voir. Et voilà. Il y a toujours ce temps. Enfin, cette coquine qui est là. Je mettrais bien un petit coup. Un petit coup de couteau. Hein. Tout de suite. Je mettrais bien un petit coup de couteau. Et puis après, bon, bah, on finit au flingue et puis on va s'upgrader, quoi. Parce qu'elle donne énormément de... Ou alors je l'électrocute direct. Ah merde, ça va fonctionner. Ah non, c'était pas... Putain! Merde! J'ai plus de balles! L'établi. Je peux me refaire. Tout coûte très cher. Non, on va la faire dans le dos. À la communiste, à la dégueulasse. Elle est où? Elle est là. Elle va se calmer. Putain, on voit que dalle là. On peut difficilement faire pire là. C'est bon, elle s'est calmée. Dans le casque. On va aller où? Bon, elle est pas là. Là, il y a une herbe.
Putain, mais elle est où? Ok, t'es là. Étant donné que je lui ai déjà mis un petit coup de harpon, pensez-vous? Elle franchit les trucs comme ça, elle. On peut la stabber? On va la stabber. Allez, allez. Tu sais que je suis là, mais en fait, tu sais que je suis pas là. Voilà, c'est bon. C'est bon, donc... Ah, ouais, elle donne 1200, hein, c'est quand même pas... C'est quand même pas négligeable. Bon, par contre, on n'a plus rien. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a des saves automatiques assez régulièrement. Ce qui permet de... Que ça soit pas trop... Comment dire, frustrant. Bah, je suis arrivé quelque part où je devais aller certainement. Un mec de Mobius encore qui est mort ici. On va les trouver hein, tous. Ok, poudre à canon, tuyau métallique. Ok. Du purin, de l'engrais, du scotch, du chatertine. Bon, y a rien dans le tiroir. Comment ça s'ouvre ça? Ah oui, c'est. Ah oui, donc ça, c'est un raccourci quoi. Après, je le sens pas hein, le raccourci. Bon, pourquoi pas. Bon, déjà, éteins la lumière. Il n'y a personne, a priori. De toute façon, ils font du bruit. Hein. Oui, on va les upgrader, tout ça. Et bon, c'est que ça a quand même été une très bonne idée de... Eh oui. On va pas crever ici, quand même, hein. Lui, je le sens gros comme une maison. Hein. On a pas vu tout à l'heure. On est passé là pourtant. Ok. Allez, on rentre. On rentre à la maison. Parce que il y a que là où il y a les miroirs. Voilà, bon, je suis en train de faire une erreur terrible, mais bon, on va voir. Hein. Quoi? Ah, il faut que j'appuie sur le bouton? Ah oui, pardon. Oh merde, j'ai fait une connerie là. Ah non, je suis retourné tout bêtement ou tout à l'heure. Bon, autant pour moi. Hein. J'ai pas encore bien la carte en. Ah putain, je me fais encore avoir. J'étais en train de regarder mon portable et ma femme. J'ai pas. Bon, lui, on va se le faire vite fait. Oui, le jeu est un bac à sable à meurtre. Normalement, lui, on le tue en un coup. Hein. C'est les sorcières blanches. Hein. Oh putain, et au moment, il se relève. Ah, c'est bon. Quand il met deux coups de couteau, c'est que c'est bon. Allez, on se casse maintenant. Allez, on va passer par là, on court, on rentre à la maison. La stamina, elle sera importante aussi. Et bien, curieusement, là, le jeu marche. Je sais pas, c'était peut-être que j'avais joué pas au bon moment à The Evil Within 2. Pour le moment, ça fonctionne. Ce monde ouvert me plaît. Peut-être parce que j'ai du bon matériel. Là, j'y joue sur PS4 Pro. J'ai une putain de télé... je suis au casque, je suis en streaming, ma femme est enceinte, je suis heureux, donc voilà. En fait, parfois les conditions ne sont pas réunies, tout simplement. Parfois, c'est aussi simple que ça.
The conditions are not written. Allez. Oh oui, le miroir est ici. Oui, on va aller d'abord s'upgrader avec la gerbe d'or. Voilà, qui est au bout du petit couloir ici. Bon, ici, il n'y a pas de souci de stamina. Hein. On peut courir autant qu'on le souhaite. On va peut-être revoir l'infirmière, je pense pas. On n'a pas avancé dans l'histoire, là. Donc, je pense pas. Je suis très très content hein, de ce... Bon, peut-être qu'il y a un peu trop de lumière, mais au moins, il n'y a plus ce fond vert dégueulasse qui quand même nous polluer. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas? Qu'est-ce qui... Que quoi? Vous avez rapporté quelque chose? Une clé? Je me suis fait avoir. Certaines clés ouvrent les portes de la perception, mais ce n'est pas l'une d'elles. Celle-ci est plus commune, mais tout de même utile. J'ai mis le casque assez fort. Ouvrez-en un. Ok. Son contenu aura plus d'utilité entre vos mains. D'accord. J'ai mis le son du casque un peu plus fort, et là, véritablement, je me suis fait avoir là. J'ai été surpris. Alors, je dois choisir le casier. Je veux celui-là. Plus 10 de poudre à canon. Bon. C'est des balles. Hein. Non, 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 je voulais pas sortir. Ah. Ça n'arrivera plus, ça n'arrivera plus. Je me suis trompé là dans les touches. On retourne. Je vois que vous avez encore besoin de mes services. Dis donc. Allez, je veux juste... S'il te plaît, voilà. J'aurais amélioré mon cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on voulait absolument... l'agilité, la santé... J'ai 7800, hein, donc ce qui est vraiment pas mal. Augmenter la capacité maximale de la jauge de santé, non. Combat... les attaques au corps à corps, notamment au couteau et à l'âge, infligent plus de dégâts, c'est quand même très très pas, c'est pas mal. Stabilise encore plus efficacement votre réticule lorsque vous tirez, c'est quand même 7700. Moins de recul lors des tirs. La bagarre, c'est pas mal. La récupération, la furtivité, qu'est-ce qu'on a? Profil bas. Vos pas sont plus silencieux, les ennemis se mettent à votre recherche moins rapidement. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Hein. À effectuer des attaques furtives depuis un angle lorsque vous êtes à couvert. Ah bah oui. Oui, oui, oui. Ça va être aussi quelque chose d'essentiel. Hein. On va essayer d'économiser au maximum les munitions. Embuscade, R1, se mettre à couvert. Ah ouais, non mais là c'est parfait. Près d'un mur, attaque furtive, quand l'icône d'attaque s'affiche. Une attaque furtive est impossible si l'ennemi vous a repéré. Ok, non, non, ça c'est très très bien, il nous le fallait. Tesson, utilisez automatiquement les bouteilles de votre inventaire pour vous libérer de l'emprise de certains ennemis. Ne fonctionne pas pour toutes les attaques. Bon, de toute façon, je peux pas me l'acheter. Effectuez des attaques furtives depuis un angle lorsque vous êtes à couvert. Bah, je viens de le prendre. Vos pas sont plus silencieux, ok. Récupération, récupérer davantage de santé avec les objets de guérison. Bah oui. Hein, il y a quand même des choses. Bon, là c'est tout de suite 3000, c'est un peu plus cher. Guérison rapide 1, la vitesse de récupération de santé augmente si vous revenez d'une mort imminente. Soin 2, récupérer davantage. Bon, c'est 4000, on peut pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je crois que là c'est 6000. 7000. On a 1800. Agilité, on n'a pas été encore. Augmenter la capacité maximale de la jauge d'endurance. Bon, allez hop, on prend ça. Évidemment, on en a besoin. Et il nous reste 300, c'est pas mal. Bon, je lui ai pas parlé, mais bon. Pour certains qu'elle avait quelque chose d'essentiel à me dire. Et on va en profiter.
Amélioration d'armes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le pistolet? J'ai 195 pièces détachées. Moi, je verrais bien le. Ça dépend. Qu'est-ce que je peux fabriquer? J'aime bien, moi, le pompe. Hein. Véritablement. Le pompe, une cartouche de pompe. C'est 5. Hein. Ah la vache, ça va vite. Hein. Mais c'est de la poudre. Combien de cartes? C'est de la poudre. Est-ce que c'est la même poudre? Oui, c'est la même poudre que les balles de pistolet. Alors, qu'est-ce qu'on peut. Au milieu de l'amélioration, qu'est-ce qu'on a? Là, on peut améliorer encore le pistolet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même se baser sur le pistolet. On va l'upgrader. Et parce que les cartouches de pompe, on les trouve. Hein. On les trouve. Ah, je suis tenté hein, quand même. Hein. Moi j'aime bien le pompe. Hein. C'est efficace. Hein. Allez, je prends le pompe. Permet d'infliger plus de dégâts. On passe de 105 à 110. Attends, 120, on n'a pas assez. Hein. On a 105, c'est pas assez. Temps de chargement. Permet de diminuer le temps de chargement. Je le prends. C'est des petites choses. Mais c'est essentiel. Quand on se bat et tout. Il vous manque ces composants, pièces détachées supérieures. Non, non, j'ai préféré gaspiller en temps de rechargement pour le flingue. Parce qu'en combat contre les boss et tout, c'est essentiel. Donc là, au niveau flingue, on est comme ça. Bon, les deux, on a upgradé en fait. Maintenant, en fabrication, je vais me prendre essentiellement. Pourquoi il me dit que j'en ai 4 sur 7? Bon, déjà, on peut se faire un harpon. Oui, je peux m'en faire deux. Très bien. Carreau électrique. Ah, il me demande deux poudres et une batterie. C'est quand même drôlement bien ça. On va en faire deux. On va faire dans l'ordre, hein, du plus. Voilà. J'en ai 7 sur 7. Et là, j'en fais 11. Voilà. Là, on s'est remis bien. Et seringue, bah, on peut en faire qu'une. Ce qui est pas mal. Donc là, on s'est quand même remis bien. Fusil de précision, voilà, il nous manque la pièce de rechange. Et l'information sur les objets. Bon bah c'est la voilà, une pièce de rechange tout simplement. Bon là on est bien là. On a 11 balles de flingue, on a rechargé. Du coup on peut remettre le pompe. Voilà. Ici on se charge une petite. Enfin vous avez compris. Un petit pieu électrique en fait. Et puis on s'en va. C'est où le miroir déjà? Il est à l'intérieur. Ah, on a une diapositive. Bon, toi le greffier, tu vas me laisser faire mon truc. Oui, pousse-toi. On te donnera du kiss-kass plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça c'est toujours cette fameuse photo hein, où on se pose toujours la question de savoir qui nous a pris. Et toujours debout, Kidman. Pas de repos pour les braves. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à croire que Lily soit vivante. L'incendie. Lily n'est pas morte dans l'incendie. Vous le savez maintenant. Dites ça à mon cerveau. Dites ça au cauchemar que je fais depuis des années. Pourquoi l'ont-ils emmenée? De toutes les petites filles du monde, pourquoi la mienne? Je n'ai pas de réponse à ça, Sébastien. Mobius a enlevé Lily bien avant que je les rejoigne. Je sais que vous ne croyez pas aux coïncidences. Mais peut-être que vous voyez un complot parce que vous le voulez. Vous savez, certains crimes arrivent comme ça, sans raison valable. Juste une personne qui était au mauvais endroit, au mauvais moment. Non. Je refuse de croire ça. Quoi qu'il en soit, l'incendie est un souvenir que vous devez oublier, Sébastien. Ce n'était pas votre faute. Et vous n'avez pas perdu Lily à cause de ça. Ne l'oubliez pas. Ouais.
trouvé une petite technique quand il y a du dialogue. Je mets le son du jeu un petit peu plus fort, comme ça vous permet d'entendre bien. Parce qu'il y a quelques séquences où on entend moins bien, je ne sais pas pourquoi. C'est la les voix françaises. A priori, là, il y a encore du dialogue avec Kidman. Kidman, vous êtes là? Toujours. Vous ne m'auriez rien dit à propos de Lily si votre machine infernale n'avait pas déconné. J'aurais passé le reste de ma vie à la pleurer et ça ne vous aurait rien fait. C'est faux. C'est juste. Mais je ne pouvais rien dire. Il m'aurait tué. Arrêtez, je vous crois pas. Pourquoi est-ce que je mentirais? Pour me manipuler. Pour que j'obéisse comme un bon petit soldat. Vous m'avez déjà menti. Toute notre amitié est basée sur un mensonge. Ok, je comprends. Et je ne vous en veux pas de penser ça. Vous ne pourrez pas comprendre tant que vous n'aurez pas perdu votre famille. Je n'ai jamais eu de famille à perdre. Juste deux personnes qui m'ont mise au monde et traitées comme un fardeau au lieu d'une fille. Mieux vaut avoir aimé et perdu quelqu'un. C'est ce que vous pensez? Peut-être. Au moins vous aviez des gens qui se souciaient de vous. Pas faux. C'est quand même de... Pardon. C'est quand même un petit peu de la philosophie à deux balles. Qu'est-ce qu'il y a le greffier? Ah, tu nous as rapporté des petites choses. Merci, le chat. Tu nous as rapporté des petites choses. On a 1700. On peut peut-être refaire quelque chose. Je crois pas, hein. Tout est hors de prix, là. Parce qu'on a trouvé une diapositive. On va garder. Pour upgrader le pompe, je crois que c'était 3000, hein. Donc de toute façon, on ne pouvait pas. Ok. Et je n'ai pas bu mon café. Non. Je crois que c'était la porte, pardon. Autant pour moi. Hein. Toutes ces choses-là ne se reproduiront pas. Hein. Moi, je ne fais les erreurs qu'une seule fois. Hein. La fois où j'ai renversé un automobiliste, un cycliste, pardon, ça ne m'est arrivé qu'une seule fois. Je ne reproduis jamais la même erreur. La fois où, sans faire exprès, en sortant du bus, j'ai fait tomber une petite fille qui s'est fait lamentablement broyer par un autre bus qui croisait. Bon, ça m'a servi de leçon. Croyez bien que le soir même, dans mon petit journal intime, j'avais bien marqué de faire attention. Ça ne s'est jamais reproduit, hein, depuis. Faut apprendre de ses erreurs. Sinon, on progresse pas. C'est pour ça que c'est ce qui permet d'avoir la conscience tranquille. On sait qu'on est dans une démarche positive. Voilà. Ça, c'est intelligent. Je prends mon café, c'est gratuit. Et quand je reviens ici, ça coûte moins cher. Il a pas de nouvelles choses à me dire. Non, il est toujours en train de faire semblant de se créer des doigts. C'est comme s'il essayait de remettre bien ses gants, quoi. Bon. Pourquoi pas. Donc on va continuer, là. Il fait vraiment du petit footing, hein. C'est pas... Ok. Donc un petit coup sur la map. On est ici, très très bien. Là on a déjà fait. Bon bah on va retourner. On va aller retourner vérifier ce petit cadavre. On est déjà venu hein, dans la petite maison là. Hein. J'ai une mémoire de poisson rouge. Je suis même pas sûr. Non, jamais. Pardonnez-moi, mon Seigneur de grâce. Je sais que j'ai péché, mais pas ça. Pardon, je ne ferai plus. Ça, c'est un truc qu'on aurait dû faire dès le début. Je suis désolé. Pardonnez-moi pour mes actes. Oh, hey. De grâce. Est-ce que ça va? Pardonnez-moi. Polaire. Pardon, je ne ferai plus. Je le ferai plus, bah oui, comme moi, et puis. Ah, tu peux te transformer, on est armé jusqu'aux dents.
nous aurait pas fait un petit malaise là? Bon, je suis sur mes gardes. L'impression qu'il nous a fait un petit malaise. Oh putain de ta mère. Merde. Pas mal. Il y en a un troisième. Voilà. Alors c'est qui le patron? Alors ça tu en début de partie mais tu meurs quoi. Putain on n'a pas 3000. Alors qu'est-ce qu'ils ont bouiné là avec lui? Quoi? Je vois qu'il y en a un qui me cherche encore. D'où? Ah ok. Alors toi mon gars, on va t'avoir à l'ancienne. Trouver une petite clé. Sachant que maintenant, on peut les tuer. C'est bon, c'est vrai. On dirait que le padre s'est pas laissé faire. Ah, c'est le prêtre qui est sur la table, ok. Je crois que la lumière n'a pas d'incidence hein, sur le jeu. Ah bah carrément, on pouvait passer par là, ok. J'ai 3000. Merde, pardon, autant pour moi. Non. Où c'est que je vois? J'ai le vert, non j'ai 2400. On continue. J'aime bien avoir le pompe. Hein. Ça me rassure. J'ai mis l'éclairage un tout petit peu plus haut pour vous. J'ai remarqué que sur Twitch, c'est un petit peu plus sombre. Ah. Ah, encore. Donc, séquence suite, j'imagine. Oui. Ah oui, elle vient par là. On se casse quoi. Ouais ok, il y a des petites séquences comme ça. Attends. Ah oui, bah toi. Alors elle a une espèce de... On est peut-être pas obligé de s'occuper d'elle. Peut-être prendre doucement ça. Oui, je commence à voir un petit peu leur périmètre de vision. Ils sont relativement short. Ok. Ok. Bon, ici on l'a tué, hein, je crois. Mais on est déjà venu ici. On n'a pas zioté ce qu'il avait sur lui. Idiot. D'accord, pochette améliorée. On peut avoir 32 munitions pour le pistolet. Très bien. Je suis d'accord. Je valide. Bon, c'est une bouteille, ça, hein, c'est tout. Niveau bouteille, on est plein. Il y a un appareil photo là. Hein. On est en train de s'éloigner. On va aller voir. Alors, on regarde quand même ce que c'est. Bon là c'est la voix de la fille.
Je vous fais grâce de l'entendre encore une centième fois. Oui, je pense que j'avais dû jouer au jeu pas au bon moment, et puis je m'attendais complètement à autre chose, un jeu un peu plus en couloir, à la Resident Evil 4, Evil Within 1, et effectivement Evil Within 2, qui est complètement sur un autre schéma, beaucoup plus monde ouvert, prend son temps. Ouais, ça sent le piège à plein nez ici. Quoi? Mais au casque, ça fonctionne très très bien. Surtout la nuit. J'aurais peut-être dû prendre les trucs avant. Bon, j'ai du pompe, hein, ça va le faire. Pire, j'ai ça aussi. Hein. Quoi, ils sont combien là? Non. Normalement, on peut les tuer. Hein. Ok, je peux les divertir. Normalement, s'il passe là, je peux le tuer. Putain! Normalement, j'étais censé pouvoir les niquer. Voilà. Lui, il a bien explosé. Il est mort, là. Voilà, ça c'est beau. Bon, même si c'est un petit peu merdouille au niveau de l'échelle. Non, je voulais pas prendre l'échelle. On peut descendre vite fait l'échelle? Non, il veut pas. Ah si. Non, je veux pas utiliser l'échelle. J'aimerais prendre la gerbe. Ok. Ça va, on se démerde pas trop mal pour le moment. On va aller au signal rebelle. Il y a des bruits partout. Hein. Alors c'est bien fait, hein. Mais je sens que je vais mettre 1000 ans à finir ce jeu. Là, il y a une petite porte, on peut l'ouvrir. Enfin, on a envie d'aller partout, quoi. Évidemment. Mais oui, là, je pense que, voilà, encore une fois, c'était pas le bon moment quand je l'avais fait. J'ai enchaîné trop vite les deux à la suite. Putain, j'ai quand même envie d'aller voir ce que c'est tram ici. Comment on passe? Ils sont où là? C'est quand même intriguant. Faut qu'on monte sur la caisse. Ça fait quoi si je balance un truc électrique? Putain, c'était pas le truc électrique, je suis trop con. Non mais attends, à 1h17. À 3h40.
Ah non, tant pis. Mais alors c'est vraiment trop con, j'ai perdu deux. Non, mais je recharge. Ah non, ça fait partie du jeu, j'ai merdé. Hein. J'aurais dû mettre ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pensais que c'était un... fait n'importe quoi, j'ai perdu deux trucs, on était bien, je recharge, je suis désolé, ça se fait pas, mais je recharge. Là j'ai fait n'importe quoi, j'ai cru vraiment que ça allait être un truc qui allait ouvrir une porte. Bon, je sais pas, ils vont me remettre, mais non, là j'ai perdu 2-3 harpons, ça me coûte. Je sais que c'est pas très fair play, mais bon. Donc du coup, on est où? Oh putain, ça rame là. Oh, c'est sympa, ils m'ont remis vraiment juste avant, quoi. Ouais, oh, c'est cool. Ah, c'est cool. Il y a quand même des sauvegardes très 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 régulières. Ok. Bon, allez, on va s'occuper de ces enculés. Je vais monter sur le toit pour voir ce qu'il en est. Oula, oula, oula. Ouais, là, ça va être un endroit... On le note. Et puis, on ira voir un petit peu plus tard. Parce que les sont quand même un peu nombreux. Attends, j'essaie de voir par où je pourrais passer. Là, il y a l'entrée principale là-bas. Il y a du corbac. Allez, on va au signal rebelle. On se le fera après ça. Ah quoi. Toujours pas compris, hein. Les blancs, c'est ceux qu'on n'a pas encore fait. Hein. Ok, il y a un mec de Mobus qui est à 49 mètres. Pas moyen de récupérer du matériel. Le signal rebelle est à 66. Et la petite fille, bon, elle est toujours très 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 loin. Et là, ça m'intrigue, hein, cette histoire de... Ah, il y a une échelle ici. Elle descend. Non, le jeu, ça fonctionne, hein. Ça fonctionne bien. Oh, quoi. Non, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Attends, je prends le pompe. Je recharge tout, d'ailleurs. Là, il y a un bras. C'est un piège, ça. Oui, c'est un jeu de loot. On passe son temps à looter. Mais c'est bien. Les ennemis sont... ouvrir. Les ennemis sont assez forts pour te filer un peu de flip. Finalement, là où je me plaignais au départ, ça donne une force au jeu, c'est qu'on fait gaffe, quoi. Parce qu'on peut mourir assez facilement, mine de rien. Même si, bon, je me doute qu'on va, on va monter en puissance. Transport routier Treadwell. Ok, donc on peut descendre ici. Se les faire, hein. J'ai un carreau, c'est bon, pas de problème. Ah oui, il faut changer le carreau. Voilà, là, on fait pas d'erreur. Souvent, on fait des erreurs de manip. Un comme ça là et après fusil pompe. Ouais, ah putain, va te faire enculer. Oh là, je t'ai bien explosé la gueule. Bon, ça va, ma partie est trop de vie. On a
a une petite sauvegarde. Ça s'est relativement bien passé. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Ça ouvre. Voilà, pardon, je regardais pas. Ça a ouvert. J'espère que ça a marché. Ça a ouvert un petit peu plus loin. Bon, là, vraisemblablement. Comment on fait, comment on allume ces trucs-là? Non! Je voulais pas utiliser. Putain. Je suis vraiment une buse. J'ai jeté un petit coup d'œil à ma femme pour voir si je l'avais réveillée, mais non. Elle a l'habitude de mes petits magrets. Ah oui, ils sont quand même. Bon, on va prendre ça, hein. Moi je l'aime bien. Lui, on va le tuer à la dégueu. Ah bah c'est le corps du... Et il est où le... Ah non, le corps était beaucoup plus loin. Oui, oui, en fait, là, on fait complètement autre chose. Ouais, on sneak à mort quoi. Quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé toi mon petit coco? Bon. Là, c'est pour nous appâter. Deux cartouches de pompe. Quelle connerie hein, d'avoir pris un soin alors que j'en ai pas besoin. Ok, je commence à me faire un peu au maniement. Petit à petit ça rentre. De quoi? De caisse? Non, c'est juste le trépied qui est tombé. Pour me foutre les jetons. Ça a relativement bien fonctionné. Quoi? Renverser le baril. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai ramassé? Bon, ça c'est... ça explose quoi. Ok. Ça c'est une caisse qu'on peut passer au... Non. Ça doit être certainement la sortie. On va continuer hein, ce petit périple. Bon. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Non, on peut pas. Bon, ce qui est certain, c'est qu'on peut passer de l'autre côté, mais qu'est-ce que le jeu essaye de me dire? Je vais monter là-dessus. Non, je ne peux pas. Je regarde la carte vite fait. Qu'on trouve toute vraisemblance, on peut y aller, mais comment? Bon, il veut pas péter ça comme ça, ok. Ça, c'est certain. Non, non, on va y accéder par... Ah, bah... Ok, donc... Bon, je suis pas plus idiot que les autres. Je comprends que c'est pas par ici qu'on va pouvoir y accéder. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on s'est fait chier... à ouvrir s'il n'y avait que ça. On peut y accéder de l'autre côté ou par le toit. On va faire le tour, on va trouver. Hein. On va trouver la solution. Toi mon petit coquin, je pense que tu m'as pas vu. Salut, Aurore Guy. Hi man, how are you? Oui, je parle anglais un petit peu parce que c'est un ami anglais. How do you feel? I hope it's not a long time you wrote to me this message. Not bad.
I'm fine, thanks. Merde, ça l'a pas tué. As you see, I tried to survive in this horrible game. Oh man. I tried to aim the head, but it's difficult. Merde. I have a shotgun. Okay. The shotgun always very efficient. Voilà. Voilà. And the backstab. But I lose some ammo. I hope it was not for nothing. You're playing on PS4. Yes, PS4 Pro. So there was an update on this game, and on the PlayStation 4 Pro, with the update of Evil Within 2, you can unlock the frame rate. It's a little better. But the game is still nice, even 3 years ago. Of course, after The Last of Us Part 2, yeah, you can see the difference. It's not The Last of Us Part 2. But it works, it's efficient. It's as I told you, I stopped this game 4 years ago. Because I was so disappointed, because it was so different than the first one. And but now, on a good TV, with my headphone, and my mind changed, so I cannot be disappointed, it's a good game. It's not the masterpiece as was the first one. My god, my god, my god, my god, no. Okay. Where? Okay. Manage. Enfin, calm down. She cannot see me. Oh putain, she can. She come or not? Putain. Et voilà. Allez, headshot. Putain, oh, 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 oh. Oh putain. It's not easy sometimes. Really. No. As you can see, no piety this game. That's cool. I have to play this sometime after I finish the first one. Yeah, really, do the first one. The first one, it's more than a video game. It's an experience. It's not good as Resident Evil 4, but really it's a very great game with a very great atmosphere, disturbing. This one, it's more Evil Within 2 is more than open world, horror open world. You see, back send back, you know. It's nice. But it's not artistically very good. You see? It's a more average game, we can see. But we don't have a lot of survival horror games, so it's okay. I want to play it. Yeah, me too. I'm a huge fan of Resident Evil 4. I watch a lot of speedrun of this game. I have this game of each device, PlayStation 3, PlayStation 2, Switch, even Switch. I did it so many times. I'm not a huge expert of this game. Merde.
Really, I want to headshot, but it's not very easy. Putain, he threw me his axe. But what I like with Evil Within 2, it's not really easy. You really, it's a survival horror. Even it's a open world. You know, you really have to manage your. You really have to manage your ammo. It's great. And I play in a normal mode. For example, here I lost all ammo I have. All my ammo. Oui, je disais à mon ami anglais que j'avais perdu, pour ceux qui sont pas anglophones, toutes mes balles. Et je faisais un comparatif avec Resident Evil 4, Resident Evil 4, qui est très très bon. The weapon selection seems cool here. Yeah. Yeah, we have... I don't remember the name in English when you throw une arbalète, we say in French. I know this, I know, but I forget just now. But this, it's a great weapon, and of course a shotgun, classic, my favorite. But sadly, I have no ammo anymore. Well, I hope there's something in this car. Yeah, no, but it's for just for the gun, not the shotgun. Oui, j'ai un ami sur le chat, donc je parle un petit peu anglais. Hein. Bon, les gens s'adaptent. Hein. Vous allez comprendre ce que je dis. Puis vous êtes là aussi pour le gameplay, donc ça va. Ok, so I came here for nothing. Ah, I can, with my radio. I can localize some dead people and I can find their body, and on their body, like here, their stuff. Yeah, do the first Evil Within, it's a very great experience. Love so much. And this one, it's... You know, it's more, it's a game more for the biggest public, you know, less ID, efficient, but artistically less, really less good than the first, I have to confess. Sorry for my poor English, I speak, I don't speak English very well. I try my best, but... But I don't care. You know, it's just language. If you can understand what I say, it's good. I do my best. I try. Ok. Donc là, on a des plans pour soigner. With three... it's like in Resident Evil, with three herbs, plants. We can mix an healing item. Your English is pretty good. You need to apologize. You don't need to apologize, I think. I wish I could speak more than one language. In fact, me, I learned English because of Persona 3. At this period, I really wanted to play Persona 3, but my English wasn't very good at school. I didn't listen very well to the teacher. So by my phone and little by little, I learned by myself. And after I met my wife, and she's Persian, and so she didn't. At this period, she didn't speak French, and me, of course, I didn't speak Persian,
We spoke together in English, and little by little, we have to, if we want to discuss together, we have to speak English. So I speak English now, not a good English, but enough efficient to have a wife. Persona 3 is a great game. That was my introduction to the Shin Megami Tensei series. Yeah, me too. On the PSP, I have the collector. Easier. I think it's just here. All my video game. I can show you. All my games are here. I have. You know, glasses with a lot of games. So yeah, I have the collector of Shin Megami, Persona 3. It was really great. And but I buy because I like to possess my own game. So I have this game in box, in collector for PSP, but I played on PS Vita because it was more comfortable. I had it easy through because it was in my native language. Yeah, of course. Lucky. As I told you, Persona 5 was the first Persona we have with a French subtitles. But it was not a problem for me. I beat Persona 5 in English. After I was used, Persona 3, I learned I learned English and the vocabulary grammar with my phone. And after Persona 3, I beat Persona 4, and little by little, with a lot of JRPG. Now it's okay. I can read completely English. Speaking, it's more difficult. It's more difficult for me, but reading now it's okay. Just if I don't know a word, I can look with my phone. But now it's okay. Even I don't know a word, I understand the global meaning. So now when the game is in English, it's okay if we can read. And make a if we have time to read, you know, it's okay. But if they just speak and speak and speak like a movie, I have difficulty to follow. I need subtitles. For example, a movie, I just understand 65% of what they said. Okay, so we are near the signal. Very near. Qu'est-ce que je fais d'abord? Je vais d'abord au signal rebelle. Opérateur mobile décédé. I want to go here first. There a man is dead, and I want to take his stuff. I never play through Persona 3 Portable, but I own the regular edition of the game. Yeah, on PS2. Okay, you never played the portable. I played through FES on the PS2. Yeah. And but the FES on PS2 is better. You know, you can move the character. It's not a portable version. But I discovered that later. If I knew at this period, I played on PlayStation 2. But it was so nice to play in the bed. I love to play in bed video games. Okay, so we have no ammo. Maybe I can. I will see. We will see. Maybe inside. We cannot enter here. On peut pas rentrer.
pas rentrer ici. We cannot. Where is the door? The door is here, okay, but it's not here. Maybe. Did you beat Fatal Frame 3? Yesterday? Did you finish it? Because now yesterday I had to leave you because you was more far than me, and me I didn't want, of course, to not be spoiled. Nope, still haven't finished it. Yeah, it's a maze. This game is a maze. We lose a lot of times to find our way. I think there are. I don't know what I have to do just now. This man is here, but how I can enter? Maybe because I speak at the same time, I didn't see something very obvious. No. It's strange. Okay. I am 15 meters, but why I cannot open it? It's closed, completely closed, so maybe later. It's really strange, there are no ladder, because really I cannot see how we can enter in this. I even don't know how to. I don't know in English the name. In French, we say un garage, un dépôt. Okay, I want to spend more time here, but it's very strange. Okay, I will come back. But it's frustrated. Really? Really, really, really. Okay, point de résonance. So we go here. I have 9 ammo. I wish I could speak French to read the untranslated comic of Mobius. Ah, yeah, I understand you. Well, here it's a trap. It's obvious. Not a good idea. I didn't know there was two. No. I don't have the control very well still. Oh putain. I think it's better to die. Sometimes it's better to die. You pop up just at the beginning of the. I wish. Mobius, big talent, this man. French is a difficult language to learn. My wife learned French. By herself, and me, I try to help her. It's difficult. I can understand for stranger, it's not easy. But as all difficult things, it's a very subtle and interesting language, very rich. And deep.
I don't say that because I'm French, or maybe I say that because I'm French, but really, I'm sure about that. When you compare with other language, it's really more deep, subtle. So, allez, another try. It will be okay this time. I know there are two. Now, I think I can. No, I cannot. But the other is hidden. I want to. I can kill him here like that normally. I buy the upgrade to kill on the corner. But he don't want to come. Go fuck yourself. Oh my god. It works, this game, you know? No, I didn't want to heal myself. It's second time I lose again. Voilà. And the other came. I want to have this one and the other at the same time. But it's a trap, they came one. Putain. Okay. It will be difficult, huh? There are a lot. Oh, I can manage this shit. I have no ammo. Okay. You see, it's a real survival horror. This is great. You have to make a plan. Thank you. you have to make a plan. To prepare yourself, but there are not a lot of ammo, really. You have to manage. I died maybe 6 times since the beginning, and I play in normal mode, and I'm not a noob, you know, a new one. No, it's and I like it. There are challenge. If I want to resume, thing was bad for her. She died here. Poor lady. She tried to escape about this strange and dark world. Alors, gel rouge. Ce mystérieux liquide couleur sang sert à déverrouiller de nouvelles aptitudes. It's like the red one. It's a red stuff to unlock new skill. So it was good to come here. Even I lose everything. And I don't want, you know, I can create, like in The Last of Us Part 2, I can create things, but it's more expensive than if I go back in my office. It's double price. But I don't want to come back, so I will do here. My god, just one bullet.
But it will be okay now, I play better. How far are you in the game? I'm just chapter... Chargé party. I'm chapter 3. I am at the beginning. It's my third episode. Third video. I did one yesterday and one the day before. My third video. I am at the beginning, in fact. And I take my time, I enjoy. Sadly, because I stream with the PlayStation 4 Pro, sadly, I cannot have the HDR on my TV. I have to disable it or enable. I am confused between these two words. I think it's disabled. I have to disable it, so it's a little less pretty on my TV, but it's still very good. It's okay. It's okay. Okay, so now I go. I leave. The train. It's a train or a tramway. Don't know. Yeah, okay. I hope I don't miss something, but this is still a mystery, huh? Really? I cannot come here. I don't understand. Oh my god. Allez, we continue. I change the location. We go here. I turn off my torchlight. What? Okay. This is a second. We have to avoid this ghost. You know, it's a ghost. As in the horror Japanese movie, like Ring, we spoke about it together. Like Ju-on, it looks really like this kind of ghost. But you just have to, you cannot fight with it. You just have to avoid her or it. I saw you had a Suspiria shirt in one of your videos. I love that film. Yeah, me too. I'm a huge fan of Dario Argento. And tonight I have a Bloodborne t-shirt. I'm a geek. I'm 41, but I'm still a kid. A kid with good taste. Ayo. Okay, she moved now. It's not difficult once you know you have to avoid her. But once I say that, I'm saying that she will kill me. Young at heart. Yeah, indeed. But in this game, there's a good idea, really. Just it's a send on the en français on dit bac à sable, in French bac à sable. It's a send back send. You know, like GTA, Grand Theft Auto. You can go where you want. You choose your mission. The main story, you can... the main story can wait. Can be waiting. How I can pass. You know, here, she cannot see me when I'm... Oh, it's dangerous, but... It's okay. She cannot see me here. You see? I'm hidden. The first time when I played 3 years ago, I tried to kill her. But in fact, it was a wrong idea. You just have to avoid her.
she's very dangerous, or maybe she kill you very fast. That things look crazy. Yeah. Completely. But it's a little part of good idea they add in the first Evil Within. Really, tomorrow, buy Evil Within 1, you won't regret. You cannot stop to play it. It's very more good than this one. It's a artistic experience of survival horror. The man of Resident Evil who made who did Evil Within the first. On this video game, he had a lot of good ideas and so many talents. It's a very, very great game. What I can do? I can pass. I'm afraid. But I think it's okay. I'm afraid to run, to make noises. No, it's okay. Garage d'Union. Okay. What? It's the same, we cannot enter. Shin Mikami, yeah, Shin Mikami, because we speak about Persona 3 just before, so the name, I forget the name. Shinji Mikami, I think it's his name, but not sure. Yeah, it's his name. Shinji Mikami. Yeah, because of Shin Megami Tensei, I forget, I cannot say his name. My god. It's the same problem as before. I cannot enter here. What is shit? I love when it opens the door like this, look. It's like in Resident Evil 4. Ugh. And here, really, you know, it's even not a tribute. They stole the ID. It's Silent Hill. Completely Silent Hill here. The end of the road. Look at that. Okay, I like it, but my god. Yeah, I did that a lot in Resident Evil 4. Yeah, me too. After, you cannot open the door slowly. It's impossible. Of course, with the shoes each time. Well, I have to go there, but I don't know. I missed something. Ah, yeah, I know. I have to. Yeah, voila. Okay. But I was here before. I cannot open this. I don't understand. And I speak at the same time, so I'm a little lost. Bon. Okay, Romain. Romain is my name. Romain, you are not more stupid than others. You will find the way. What? There's nothing here? Inside? It's crazy! I have exactly the same problem as the body just before. I cannot find the way. He cannot climb here. Oh my god, he cannot jump. It's a cops. Okay, ex-cops, but it's not so high. Ah, yeah, here. I can. My god, it's really strange. I have to go there and I cannot. What I did wrong? Hola, she's... The ghost is still here.
Oh, but my god, yeah, she's still here. She's really still here. But you see, she cannot... maybe... I can jump here. I think maybe after we can destroy this kind of box with something more strong. I think. Maybe. Because I have to go here. And I have to go there. I let it go for the moment. I let it go. I continue because I cannot. So we go here. There another in French we say une planque. Oh my god! Oh, there's some. Ah, okay. Okay. So you see, once you escape her, she disappears. Ah, okay, now I can enter. Oh my god, it was just this. Okay. Ah, you see, they make some mistake. For example, it's not so obvious, this. There was some box, and now box disappear because she's not here. I don't like that. You see, I lose a lot of time to think. How I can do, maybe I did wrong, but in fact it was just stupid. Herbs are good for your health, yeah. Really, and but I think I cannot do. I can do one more. Thank you. But it's three times I by mistake, by error. I heal myself. I lose three of them because I put the wrong button. But it's okay. They give a lot of them. Pas moyen de récupérer du matériel si toutes les caches. Merde. Pas moyen de récupérer du matériel si toutes les caches sont envahies par ces choses. Oh, ça devrait suffire. Vous sortirez pas d'ici, mais seulement. Jess, ici Ryan. Réponds. J'ai enfermé un tas de ces trucs dans la salle qui se trouve sous le garage. Je suis en route pour le centre d'information. James, tu me reçois là? Merde. Il y a du matériel là-dessous? Ok. Il va falloir que j'aille voir ça. Sorry, I was listening. Un nouveau signal. James, putain, t'es où? Ramène ton cul au centre d'information. Oh, tu vas jamais le croire. Direction le centre d'information. Okay, they give us an information than the their stuff is here on the map. Sorry, I was listening, but I can reply to you now. Just did that last night. I'm pretty sure. I do the same thing all the time in games. Overlook something simple. Yeah, me too. Yeah. Just did that last night, I'm pretty sure. You know, I'm stuck in Fatal Frame 3. Huh? It's why I stopped for just a moment. What is it? We can choose some switch. Okay, red. Okay, it's wrong. Okay. So, it just... You see my skill? Huh? Did you see? It's skill, that's all. French skill. Just to try. I'm so lucky. I was... Oula. You see this sound? It's exactly the same sound as in Ring, I think. I don't remember which horror Japanese movie is like that. They keep the idea.
I can kill her with this or that. If I stab her, she's not dead. My Bravo pour les discussions. Merde, it's not the good one. Ah, I'm stupid. It's not the good. Maybe I can't kill her like that. No, 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 no. Allez, come here, come here, come here. Oh yeah, nice shot. Putain, my god. And Juan, yeah, it was. It's this one. Yeah, look. It's efficient. But the game, this game is kind, you know, when you miss, you just have to try again. There are a lot of checkpoints, so it's okay. You see, I came just when she pop up, when she appear, so I can prepare myself better and change. Yeah. No. Voilà. I want this one. I want this one. Yeah. As I told you, if I stab her, I'm not enough stronger for the moment, so she's not dead, as in as we do in The Last of Us Part 2. You kill in once, you stab it, it's finished. No. Yeah, you have to upgrade your knife. But she disappeared. If she disappears, the game is more kind as I saw. Yeah, Juan. After our discuss, I saw about you know, the movie we spoke about, Shutter. It was very, very great. Really, really. And I'm not easy scared by movie, but really the end of Shutter, oh my god. I was scared. My wife was joke about me about that. But really it was oh my god. So I know what to do. Merde. You see, it's a very, very, very... You cannot make a mistake. Hey, come. Merde, I don't... No ammo. Not anymore ammo. Yeah, Shutter, the end. Wow. I don't want to spoil if someone watch this video on YouTube after, but really the end, the idea is really great. If someone I have the luck to do a movie, my god, I want to have a good idea like that for the final for the end of my movie, you know, something great like that. In my second book, I tried to make some to find something scare like this. I'm not sure it's scaring as Shutter, but I think my idea was not so bad. I tried. They are like zombie with the ability to use weapon. Yeah. They move fast. It's not zombie. In fact, they are possessed by evil force. It's a mix of demon or we don't know. In fact, I don't want to spoil you the story, so I don't will tell you where we are. But they are not zombies. It's monster. But now, even I'm prepared,
I don't know if I can. No, I. What I can do. I want to open this shit. I really. I'm stubborn. And this one, he will awake again. No. He will awake, you know, when I don't want. Okay. I have just 2 ammo. First, I use this. And after, what I have? I have my gun, but no ammo. No, you see, my god, I heal myself again. My god, sorry, I load my last save, my life checkpoint, because I'm tired to lose healing item. They are like, yeah, okay. It's the same command, sorry. It's the second time I load my last save because I lose some healing item because I'm stupid. Okay. Yeah, the frame rate have difficulty when you load. Okay, I think I missed nothing. Just okay, we go back. Allez. This time it's okay. My god, I didn't load. You see, I'm stupid. No ammo. And no ammo. Oh my god. Nah, it's too much. I don't have enough. I take the key. I take this and I run away if I can. It's a game, it don't give you any chance. It is a little, and be sure, trust me, I'm not a new player, and the control is not easy too. Stamina is very less when you run. You see, your character cannot run very fast. So it's in fact, the game are telling me it's not a good time. You have not enough ammo. You don't have enough. I have to come back here. My god. Third time I make this mistake. In fact, I want to open the menu, and in Ghost of Tsushima, I remember maybe you open the menu with the D-pad, and I want to do that, but I heal myself. I have to forget to press this button each time. Yeah, it's a little tall, and I remember that, but it's a good point for me. I love challenge. If it was too much easy. Yeah, it's a good point. It's a real survival horror. But I have to forget this car for this moment, because with just three... I think I can do it. Just I have to play better. You know? 2 shotgun. 1. And here, how many I have? I look. Les carreaux, comment j'en ai? I have one carro electric, one, and one harpooner. Oh my god, it's not enough. I cannot. I cannot. But I want. I look on my map.
how I can put a mark, because I want to come back here. What is it? Point de résonance. Yeah, yeah, it's the place. But I came here. Is there something I didn't do? Because you know me, I'm stupid sometimes, huh? So what? I'm here, and? No, that's all, just okay. Strange. I had a mark, and mark disappeared just when I came. Okay. You know, maybe there's some ammo in this box. No, it's tough to upgrade. Oh my god, I want to try again, but I cannot. There are not stuff here. Oh my god, I think this we could open later. We will come back. We have no choice. Allez. Here we go. Was that an herb on the porch? No, it's a bottle. But I'm full of bottle. In fact, it's bottle, you see, full, plein. In French, it's full. It's a bottle, I show you. It's this. You see, I have 5. And bottle, you can use to... You throw it and enemy look away. They heard the sound and you understand the idea? It was not a healing item, sorry. I use sometimes when I want to go somewhere. You know, here it's obviously a trap. They are all on the ground, waiting to wake up. But how I reach the door? How I can open it? You see? Yeah, I can open it because you know this with electricity. I can open it. Voilà. Okay. You see, we have ammo for shotgun now, so maybe after we can come back to this shit car. And another one again. It's not bad. Okay. Oh my god. Okay, this is good. Yeah. Ah. Who is the boss now? Oh my god, headshot. Prouve-toi une autre planque. Ok. Porte verrouillée, fenêtre de sécurité, courant coupé. Rien ni personne pour rentrer. Même pas toi, Aid. Prouve-toi une autre planque. Cet endroit est scellé. T'as compris? Merde, j'hallucine. J'ai pas signé pour ça. C'est bon. Tout ira bien. Je suis en sécurité. J'ai plus qu'à attendre que ça se termine. C'était quoi ce bruit? Okay. He's dead. He tried to hide himself here, but the ghost, you heard her voice, her laughing, and she or he or it kill him. Okay, so in French we say une planque. It's
But it's a safe place, you know, like in Resident Evil 2. Here I can take a coffee. Coffee is free and heal me. I can make a break. Coffee break. Voilà. And it's better than use healing item. Of course, here I can teleport to another place. If I can save, I will do one. It's not Fatal Frame. I do a save, but there, as you can see, there are checkpoints everywhere. But I do by reflex. Ah, what? Ah, here it's a mirror. It's a mirror. Ah, yeah. This is new for me. Ce chaos fumigène. Ce chaos libère un nuage de fumée autour de son point d'impact. Une approche discrète vaut parfois mieux qu'un affrontement direct. Il est plus facile de s'échapper ou de tuer discrètement lorsque les ennemis ne nous voient pas. En améliorant vos chaos fumigènes aux établis, vous pourrez tuer discrètement les ennemis pris dans la zone d'effet. Vous pouvez fabriquer des chaos fumigènes en combinant de la poudre fumée et de la poudre à canon. Ok. So, if I resume, it's, you know, it's a gas. You use it like that, and there are a lot of smoke everywhere, so you can stab them. Like in a, as in a, I don't know if we say as or like, as in Last of Us Part 2. Damn, the cup of coffee, yeah. Okay, so now we will go back. Ah, I see something we can do. What? Yeah, the mirror is here. So with the mirror, we come back in the main... mon bureau. I don't know in English. For you can recognize it. It's a place for walking. And here there are a cat, mysterious cat. When I come to here and I look my photo, the cat, it's just to show you, I found some, we say in French, diapositive, you see, like that. And after watching that and speaking with someone by the radio, the cat give us some stuff. But don't like this cat. I don't know why he's here. It's strange. He have red eyes. Not sure it's a friend. Fabrication. Okay, so here it's half price to create weapon. I have a sniper here, you see, but I cannot use it because one piece I miss one piece. I have the gun, but not this piece, and I have to find it. After I can use it. Okay, so I will. I cannot do shotgun ammo, but I can do that. Chaos fumigène. I think chaos fumigène. It's not bad for this car. There are a lot inside. Maybe I can. I will do one to try. Carro harponneur. I can do one. Carro electric. I love electric. What is the name for that? A bow. It's this. And arbalète. I don't know in English. Really, I don't remember. So, in fact, I cannot do a lot of things. I don't have a lot of ammo. I do another one. To stab them. Et amélioration, ok. I have 117 gear, in fact. It's gear. So I can upgrade. I want to do with the shotgun
it's capacity de munition. It's how many ammo you can have on you. Like now I can have 4, but it's not what I want. Yeah, this it could be better because I use a lot of electric things. L'effet s'étend à plusieurs ennemis sur une plus grande distance. Yeah, this is great. With just one, I can reach more enemy and in a more large zone of electricity. So, it's good. I need it. So, we will go back to this car and revenge. Is it weird for you speaking so much English on your stream? I wouldn't be offended if you wanted to switch back to French. No, it's not at all a problem because I speak English every day with my wife. In fact, I speak more my shit English like this. I speak more English in a day than in French. So for me, there are no difference at all. Even my brain is more used to speak English. There are no problem at all. And a lot of French people, when they are on Twitch, understand English. Especially with my French accent. It's very easy to understand me. It's good. It's good. Yeah, young people and more older people on Twitch... speak English, you know, it's a new generation of player, so they can understand what I say, and you are just, we are just together, so no problem. If someone asks me a question, I can answer in French, but for them, I speak with you. What does it mean, BTW? I can understand you perfectly, BTW. This I didn't get it. Je sais que mon bureau est relaxant, mais ce n'est pas un endroit pour traîner. Yeah, okay, nice. By the way, okay. It's a shortcut, language shortcut. I didn't know. Okay, by the way. Okay, I have 7,850. What I can do... Fighting. Stability. Moins de recul. No, I need health. Augmente la capacité de la gauche santé. I will do that. It's important. I never did, and I died very, very soon, so I need more life. Récupération, furtivité, profil bas, vos pas sont plus silencieux. No, I want to fight. I cannot take it. I don't have enough. Moins de recul lors des tirs. This it's good. I can aim more easily. Les attaques au corps à corps, notamment au couteau et lâche, infligent plus de dégâts. This is not bad. I take it. I can my knife and my axe are more efficient. And now I have just 3,000, so I can. I don't have enough. No, I cannot. Récupération. Yeah, I think I will take this. La vitesse de récupération de santé augmente si vous revenez d'une mort imminente. I don't know what is imminent death. Ah, okay. In fact, in this game, when you have just a lot of... I will show you. Your life is red. But when an enemy hits you,
Your life after is red, of course, because you will die, but if you don't move and wait a little part come back and you are green again, but just a little part. But I will take that. I'm not sure. Maybe I keep it. I can unlock now. I have a. Yeah, but I keep my 3,000. Ah, allez, hop. Okay, now it's okay. We go back to the car and revenge about this shit, man. It's time for revenge. It's revenge time. Where is yeah, here. Now I have this weapon with the smoke. I have some ammo. Okay. Oh my god. No. Don't want to heal myself. Okay, I think now it's okay. Where is the exit? We go back to the shit car. Enfin, it's not a car, it's a truck. Okay. Yeah, okay. I know where we are. I go back because really I want to revenge. Where they was? We came from here. I think. Yeah. But now maybe some enemy repop, like this shit one. And like this shit one too. Okay. We will see. And after I switch with the other. Allez. I think I can put one here. My god, I'm so stupid. I lose one for nothing. I was sure he can stay here. Okay. No ammo. My god, they are not dead. Putain. You see, it's not easy at all. Oh. I even cannot turn back. I even cannot turn back to aim them. I was sure I could beat them, you know, but in fact there are five or six. Yeah, okay, it's not a good time to go there. They even don't die with electricity, they are just... Wasn't expecting them to throw the axe as well. Yeah. They have a lot of talent. Always I'm lost here. The mirror is here. Okay, I have to remember that. My god, I have a fish memory. You know, really fish memory. Like here, it's three times I came here. Okay, so we continue the story. We go to à la moelle opération. On dirait qu'il est verrouillé par un mot de passe. Ah, I need the password. Okay, so I have to come back. And you see here,
I went here. And still, he told me there's something. My God. I think the game is little stupid. It's not far. And nothing happened because I didn't check the with my radio. I think it's this. Ah, I found something very huge. Ah no, just two. The bottle was so big, but in fact it's just two. Okay, we go. I take my... I'm not stupid, huh? Really, there's something on this point de resonance. It's very strange. Really strange. On the map, there's a green zone. I have to go on each green zone. You look, it's here. And when I enter, I don't know what I did wrong. Or what I don't do. Yeah, okay. Ah, flèche d'indication de point de résonance. On vous équipe. Okay, and on Samir, what? Your memory is shit too. You see, I don't get it. I don't understand. I have to maybe I have to use open this. No. Ah. Really, I don't understand. Yeah, I have to come here, but we will see. It's okay. Maybe I don't know. I don't know. Really, I don't understand. Well, okay, we will avoid this for the moment, and we will go back here. Because we need the password. But you see this game it's 4 years ago it was release or unleash, I don't know in English. It's still not bad, huh? Really. Okay. I'm sure we can open this door maybe after. I'm sure. Not sure, but... Okay. Yeah, we have to go there. Centre d'information. Okay. It's good I have a torchlight. I love too much, you know, in video games when you walk and you have your torchlight and you play the night with a survival horror video games with your shotgun like that. Graphics looks pretty good still, but I play some pretty arcade games. Yeah, me too. You know, after Fatal Frame, everything is so beautiful. Alors, brochure, bienvenue à Union. It's an advertising for this city.
Union mélange idéalement le charme d'une petite bourgade avec le confort de la vie moderne, le tout entouré de toutes les merveilles que la nature a à offrir. Retrouvez la sérénité d'une époque plus simple, où les sourires amicaux et chaleureux des habitants vous apporteraient confort et convivialité. Échappez-vous du stress et de l'agitation et découvrez un lieu qui vous accueillera les bras ouverts. Union, heureux de vous accueillir. It's an advertising for touristic, for tourism. But of course, it's a paradox, things because it's hell here. Like in Silent Hill, it's exactly the same idea. They say to you, all is okay, come, you will have very nice holidays. Oula, what's happened? Don't go. Est-ce que c'est pour moi? Is it for me? He said. I think it's for you, yeah. I'm disappointed about the character. The first game was more deep and less superficial. Sometime in this game, even with the second character, their discuss the main topic, the main story, it's not really deep. It's like, a movie, a TV movie. But the gameplay, it's good, as I said. We have to take what we can take. Yeah, okay, I know this. Because there are serial killers in this Je town. reconnais ce style. Encore lui. He said, I recognize this style. Again, him. It's a serial killer. He take photo, and the particularities of his photos, it's make his murder in a slow motion seconds. I will answer you. Yeah. This is a good idea, Bonne you see. chance, Ryan. When you enter in this zone, you can C'est see. censé être de l'art. Ça ressemble plus à une exécution. You can see in slow motion the killing. It repeats. And you have a classic music, European music classic. So it's not a bad idea. I don't even completely understand the story in Fatal Frame 3. Yeah, it's difficult to understand when you stop to If me, I beat the first, and just after I beat the second, they are here. Can show you after. And if you beat the first and the second, and after, as I do, you play the third, it's okay. You remember all the character and story. But if you stop and yeah, the story of Fatal Frame 3, it's very dispatch, and it's not very easy, I think, to understand. If it's a long time, you beat the second and the first. That's wild, yeah, it's really wild. It's wild. But sadly, this idea is good, but you will see the serial killer, it's very a caricature. I don't know in English the word, in caricature, it
It's not a very interesting character. It's very common, you know, like a gentleman, you know, artist, and he said a lot of bullshit we heard so many times in different movies. Un appareil réglé pour prendre une photo de la victime. Already. Okay. So we don't know why he's here. Because we are not here in this town for him. But this man is here. So it's a mystery for us. Un autre communicateur. Sûrement celui de Ryan. Les agents de Mobius. Ils ont sûrement quelque chose d'utile sur eux. Ok. Journal du communicateur de Turner. La dernière transcription enregistrée par le communicateur Turner, j'ai modifié mon communicateur pour capter les signaux des puces d'union. J'ai réussi à localiser où se trouvaient les derniers membres de l'équipe de sécurité, ou du moins ce qu'il en reste. Ils doivent avoir des ressources, et quelque chose me dit qu'ils n'en auront plus besoin. Toutes ces puces émettent depuis des cerveaux morts. Ok, so, les positions des opérateurs de Mobius décédés ont été ajoutées à la carte. Ok, so now I can see where are the body of the dead people. It was a team, you know, like as army mercenaries, and they are dead now, so there are stuff on them. But now I don't need to localize with my radio, they are on my map, but I found most of them without before. But it's useful. Ah, it's him. Où il est passé? Okay, you work here? Wow. Yeah. Qu'est-ce que c'est censé représenter? Yeah. Juan. Putain, c'est horrible. Yeah. Oula, oula, oula. Okay. Next one, oh merde, shit. I didn't see he was here. It's good we can kill them when they are on the floor, you know, with your feet. I don't know the word in English. What the fuck? Stomp him out. Yeah. Yeah. Stomp him out. Always I forget. I wrote so many times this word, but I don't know why always I forget. Yeah, yeah, you see, really it's like Juan and O-ring. Okay, so that's all. It's enough for me, but hey, is this, we can push it. I'm sure. Yeah. We can progress. Okay, I have two ammo. Yeah, but I prefer, this is gas. And this is electricity. I prefer to have this one. And oh, sadly, I have nothing, no ammo. Okay. I cannot prepare something. Yeah, I can. Just one bullet, it's a shame. So I prefer to keep my. No, let it go. Stomp him. Même pour cet endroit. La planque de Nil est juste là.
Autant lui annoncer la mauvaise nouvelle de vive voix. Okay, so I have to go back to see this character, O'Neill, to say to him the bad news. They are all dead. His team, his comrades, are all of them are dead. But I'm sure he don't care. It's not a military man. He's not from army. It's not a mercenary. It's just a scientific. And look. Look what he do. He do nothing. He move his hand on a... Yeah, okay, why not? During hours. Vous les avez trouvés? Ils sont morts. Mais d'après ce que j'ai vu, ça vaut mieux pour vous. Ils avaient prévu de tuer tous les survivants. Un protocole d'urgence Alpha 1, pas vrai? C'est pas la pire idée de la journée, cela dit. Vous commencez vraiment à me les briser, O'Neill. Je vois juste les choses en face. On peut pas sauver tout le monde. C'est pas possible. Yeah, he don't Mobius care. N'a pas créé des protocoles d'urgence pour rien. S'il n'avait pas fabriqué cet engin de l'enfer, il n'y aurait pas eu besoin de ces protocoles. Peut-être. Mais regardez ce qu'ils ont accompli. J'ai du mal à y croire. Toujours aussi fidèle après tout ça, hein? J'espère que votre loyauté vous rapportera quelque chose, parce qu'à l'heure actuelle, Mobius a pas l'air d'en avoir grand-chose à foutre de vous. Comment ça? Ils vous ont envoyé ici, pas vrai? Désolé, je voulais pas vous énerver. Tenez, j'en ai fabriqué d'autres. Pour le dérangement. He want to give me something. He give me 150 gear. Okay, so mission accompli. Mission signal rebel, it's finished. Okay. Okay. In fact, he want to escape this town, but he cannot by himself. He need me. And me, I'm here to find my daughter, Lily. Yeah, I know it's a ridiculous name, but it's a name I give her, Lily. I can do just two bullets. Oh my god. Allez, we do that. It's better. I upgrade in purpose. Caro fumigène, no, I keep. Like Silent Hill, yeah. Why you say you like Silent Hill? Like in Silent Hill, yeah. You try to find his girl, yeah. So you see, it's a lot of things. It's the same, huh? Allez hop. I beat the door, me. Okay, so now, in fact, since the beginning, I never do the main story. I have to go here. Okay. So now we go. I did all the second side quest, in fact. Cheryl, yeah, it was her name, Cheryl. Ah, something here. Yeah, but I'm full. Okay, what is a good, the better... But he said I need a password, but you know, really, this make me crazy, huh? These little shit things. We will see after. I continue. No, where I go? Where I'm going? Oh, when the eyes is like that, it means one monster saw me, but he don't know where I am. Yeah, but it's very far. It's okay. It's okay, in fact. My god, I have just two ammo. Won't be easy. At least there are no
Pterodactyl, yeah. Yeah. Yeah, we are lucky. There are no pterodactyl here, at least. I look if I can upgrade myself. Not how I can see. Gel? No, no, it's not a good idea. Okay, I continue. You know, there are so many doors. After, you don't know if you came or not. Yeah, no, I never came here. All look the same. But really, it looks like a Silent Hill, more elaborate, more modern. You know? Silent Hill could be like that, if they have... Yeah, it could be like this, in fact. But, well, it's more action, really more action. Oh my god. Yeah, I vent already here. Okay, here. Marijuana, always useful. Open world Silent Hill will be crazy. Yeah. You know, I hope with the PlayStation 5. Silent Hill will come back. Really, I hope. I hope they won't stop the project. You know, with PT, maybe another game, but I hope they won't stop. The in French we say franchise. The, you know, like a brand, the IP. I hope they won't stop the IP. Oh my god, you see this one? He looks very, very dangerous. Maybe if I turn off the torchlight, it's better. Look how I'm sure it's full of. Hola, 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 la, 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 what I did. There are so many now. Pop, 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 pop. Where I have to go? Oh my god. Okay, first we go here. And it's very... And I like that because it's not at all in the same direction. Yes, so you see we can find they are dead. This mercenary. In a way, it's like a Silent Hill in open world, but sadly with less talent. Because graphism, gameplay is good, but the atmosphere. It's not disturbing at all. They fail for me. Really, I tell you again, but I think Evil Within, it's very cheap now. Maybe for 10, 12 euro you can have it. You have to play it. And on PC, I'm sure it's 5 euro on Steam. Maybe. I don't know. Really play it, you won't regret. Very, very great. If you love so much, if you like so much Resident Evil 4, it's a game you have to play. Yeah, very fun and disturbing and very, very great. I don't know if I kill this shit man or not. I think I have no choice. I can try. He looks stronger. We can. Oh yeah, but all of them will awake. Oops.
Allez, fall, fall, fall. Allez, die. No, it's not good. I was sure. You don't care I'm here or not? Oh merde. I think it was not. Oh la la la. I'm not in a good place. Okay. Oh my god. Allez, we go, we go, we go, we go. I have nothing to defend myself. I will die. Hop, 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 hop. Okay. I jump you, you cannot. Oh la la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la, oh la, oh la. Allez, come, 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 come. Allez, voilà. Need to use some strategy. Oh my, my god, I forget she can throw this shit. Not move. Oh my god, you can never die. You see, when it's like that, you want to reload. In fact, you lose all your weapon for nothing. Better if I die. I have nothing to defend myself. It's better. It was better. Even me, I wanted to load the previous save because I lose all my ammo for nothing. I can open the door without fighting with them. I hope he will... I hope the checkpoint was not was before the fight. Yeah, it was. So it's great. Oh la la. Frame rate each time it's. Yeah, okay, okay. It's okay, it's okay. Yeah, okay, but I will go by the left this time. Maybe I mean... What it is? Ouvrir la bouche à incendie, l'eau conduit l'électricité. Ah, okay, it's good for electricity. It's good to know. I didn't know. We can do that. I'm sure after we can open this Mobius door. Mobius, it's the... We can say industry, brand. They built this city. And the masonry worked for them. But now they are dead. And here, for a reason I want to tell you to not spoil you, I am here to find my daughter. Okay, we go back to this shit and ugly creature from hell. But it was not so bad to come back because I lose a lot of item. I miss a lot of item. You see, like here, I'm sure we can open. Ah yeah, in fact we are where we was just before. Okay. I change. Ah yeah, look, there a plant. Plants are important. Up.
Okay, so I still already have just two ammo. This is good because I upgrade. Yeah, yeah, you see how many enemies are here? It's not a good idea to fight. It's a real survival horror. It's a good job for. And you heard someone stab. And me, because I'm stupid, I open it. But it's okay. Allez, come. I try to cure in one shot, but. I have ammo for my sniper, but sadly I hope it's here. Yeah, I think it's here for the sniper. Yeah. It's the gear for the sniper. Pièces de rechange pour fusil de précision. Des pièces de rechange pour fusil de précision. S'il y a des pièces de rechange pour un fusil de précision ici, c'est qu'il y en a un quelque part. Ces pièces devraient m'aider à réparer le fusil de précision. Ok, so now I can fix the yeah. I have a sniper now. Great. I can make a new one. Okay, I have 5 on 5, huh? Okay, and that's all. Okay. And what capacité munition, cadence de tir. No. Yeah, we will do with the sniper. Yeah, my sniper is better now. Améliorer la précision. I have 1000. 100, sorry. Améliorer la capacité du chargeur 3 à 4. Yeah. I want to have a. I will use the sniper. I put here. Okay. It's perfect. I can zoom like in each game, you know. It's R button. You click and you zoom. I will use, because there are so many enemies. If I can shoot them very far, it's good. Yeah, I love this too much. It's why it's a very good game, the first one, and this one too. But in the first game, yeah, you enjoy so much. You have so many different weapons, and it's like in Resident Evil 4, you know? It was so enjoyable to upgrade. You have exactly the same pleasure in... you see the red barrel? It's not here for nothing. Yeah, maybe I can turn off my light. Okay, I know what I will do. I will take this. What I did wrong? My god. Putain, mais man. Okay, I'm dead. I didn't see him. Okay, kill me. Okay. I give up. That's probably the reason I play Resident Evil for so many times, me too, yeah. As I told you, I had on PlayStation 4, and at this period, I was young, I stopped to play video games, but when Resident Evil 4 was released, I bought a PlayStation 2 just for this game, and it was so great, really, a miracle.
and after I play it on PlayStation 3, after I bought it in Japanese to have in box, in HD. I hope I still have my, yeah, okay, he saved. And after I, of course, I buy it in PlayStation 4 in HD, and after, because I'm very weak, I bought it on my Switch. Like a stupid man. I have actually only played on the GameCube version. Yeah, it's the original version, which has the least amount of content. Yeah, yeah, and it's a better device to play. I have the GameCube. On the GameCube, I have Resident Evil 1 and Resident Evil 0. Yeah, I can show you. Well, they are all here, but for example, I have this one is here. I will post a photo later. I want to make an Instagram for this channel and post all my video games. I have a big collection of video games. And oh, I forget what I was saying to you. And so yeah, GameCube is the best device to play. I watch a lot of speedrun of Resident Evil 4 on GameCube, you know? What I did? It's okay, we can go. A French man was very have the world record at this period, and I follow him. So I followed him at this period. But now it's finished. My God, how I will do? Maybe it's better to go here. And I continue to follow the speedrun of Resident Evil 4. It's a game I love so much. Oh, I can kill her. I can backstab her if she stopped to follow me. I have a cure. Oh my God. I mean shit. Oh my God. Allez, it's okay. I can kill both of them. Oh, it was not bad. It was not bad finally. But this one, my God, I don't know if we can kill him. I'm sure we can, but it will be difficult. I want to speedrun Resident 2 Remake someday. Ah, really? Ah, it's a good news. Because I love so much to follow Resident Evil 2 Remake speedrun. So if it's you, be sure I will follow you. Me, I cannot do that. I'm a man very stressful and full of stress, sorry, and I cannot speedrun. But I enjoy so much to see other speedrun games. I'm very impressed by their skill. Shit, I take something on him, but I didn't look what it was. Okay, we've ended there. Okay, so we go finally to see if the voice of this little girl is mine. She's mine. Fine, it's my girl. Okay, we go. It's a shop. It's a pet shop. Well, I let you. I don't anticipate getting a very good time. No. But someday I will try anyway. No, just to practice. I know the world record is very difficult, but just
if you practice, be sure I will follow you. I enjoy to watch that and to see the progress. Yeah. Especially when it's people I appreciate. I follow some people, they speedrun games, but they don't have the world record, and just to see they beat their own PB. Okay. So it's a pit shop? No, pit stop. The pit stop, okay. Mine got a pet shop. Okay. So who is this child? Okay. Is it okay the sound, my voice? It's not too much high, too much heavy, compared to the game. Tell me if it's better to put down the sound of the game of my voice. Lily? Lily? Tu es là? Ok, parfait. C'est papa! Où est-elle passée? Lily, are you here? It's dad. Where's she's gone? He said. I wanted to play this game, you know, not in French. I wanted to play in English with a French subtitle because it's more easy for viewers. But there are no, they are just English English language, but no subtitle at all. So I play in French. There are no subtitle. It's crazy because it's a modern game. They didn't do subtitles. It's very strange. Okay. Normally I could speak like this, you know, because it's a very good mic and the sound is better. But if I want to play more comfortable, I'm better like that. Here it's more like a radio, you know, or I don't know. Oh, Lily. Tout va bien. What was that? C'est moi. Ah, it's closed. Ah, it's closed, I see. Allez, calme-toi. You will break Comment your shoulder. Est-ce que je peux entrer là-dedans? I think you can go here if you push this. Okay, so I think there are no coming back. A jury, they will have subtitle for the hearing in pair at least. Yeah, but not for this game. But you know, it's 4 years ago, and 4 years ago in a video game, it's an eternity. I'm sure now, by force, they have to do. By force. You get it. Ah, it's the doll La of my... La poupée de Lily. La poupée de Lily. Elle était là. Lily dolls. Lily's dolls. Flashback. With a doll like that, you don't need monster. She escaped by the window. Elle est en danger. Quelqu'un la poursuit. Il faut que je vérifie de l'autre côté pour voir où mène cette fenêtre. He said, "I have to check where this window." I have to check behind the window, so I have to get out. Yeah, okay. Nothing to take. I don't miss something.
Ok. But I'm sure something will happen. This time I reload. Yeah, yeah, I heard. They will be here. I check just to see how they manage the room. Yeah, okay. Yeah, okay. Normally it's a fight here. Okay, so I go to see. Normally Lily was here. Okay, Lily. Où est-ce que tu t'es enfui? Ah. Oh. Okay, flashback. But. Huh? Qu'est-ce que... Un autre signal. Parfait. Ok. J'arrive, ma chérie. Accroche-toi. Ok. She's at 185 meters. But you see, it's not bad. We can see the distance and on his ass. The radio is here. So we don't have to do that each time. It's a good idea. Oh my god. Oh, this noise. Come. Okay. I run away. Huh? I have no ammo. It's a survival horror. I cannot beat them. I have no weapon, no ammo, no shotgun. I have nothing. It's shit because I'm sure they can give me a lot of crawling enemy are the worst. Yes, and you know about what you are talking. In the Fatal Frame, you remember? In the corridor, in the basement. I want to see just here, I'm curious. Near the burning car. I'm sure there's something behind. Ah, obviously, there's something. Yeah, I'm sure. My god. Yeah. Just this shit, man. We cannot jump here, my god. Okay. I check my map. I'm here, okay. Allez, we go there. I check her. On dirait que quelqu'un a des ennuis. Ah. Voilà. I need to. Saletés vont la tuer si je fais rien. I need to help her. But how I will help her? Okay. I know what to do. My god, he's not dead. Allez. My god, he's more strong than the other. Yeah, how is possible? Oh la 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 la. Normally, I kill him in one hit. Oh my god. Well, this one, I can kill him slowly.
Okay. And this one, it will be okay. I can stab. Oh my god, my god. He didn't see me, he didn't. I tried and I'll make it back soon, but I don't catch you. Have a good night. Okay, man. Okay, sorry, I didn't see your message. No problem. Where is he? Putain, il est où? Merde! Putain! What's happened? Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh lolo. Oh, ça m'a sauvé. Hein. Essayer. Oui, on va réessayer. Mais avant, on va prendre ça. Ah, la poudre à fumer, ça aurait pu être pas mal, ouais. J'oublie à chaque fois que je peux utiliser. Là, je suis où ? Il faut que j'aille ici. Qu'est-ce que je peux fabriquer? Ah mais j'ai mon sniper, je suis con, pourquoi j'y pense pas? J'ai mon sniper. Bon, je vais m'arrêter là pour cette partie. On reviendra. Je vais m'arrêter là pour cette partie 3. Ça a duré un peu longtemps. Et on ira à ce nouveau signal, hein, de résonance. Bah, on y est en fait. Donc, si tu, Aurore guy, if you are still here, good night to you. Et pour les autres, eh bien je continuerai très prochainement. On fera la partie 4. Allez, je vous embrasse.